Première victoire à domicile, deuxième victoire consécutive. Les deux fois, on joue en infériorité numérique. Donc c'est vraiment une belle période que nous traversons. Mais nous sommes peut-être récompensés aussi du travail effectué depuis le début de saison. Hein. On n'avait pas été forcément récompensés sur certains matchs. On avait évoqué notre contenu, on manquait d'efficacité. Bon ben voilà, là on est toujours aussi bien organisé, on est capable de faire mal à l'adversaire sur les transitions, sur les attaques rapides. On a des valeurs de solidarité, d'abnégation, de rigueur. Et ce soir, ça nous a permis de contrôler cette équipe, hein, stéphanoise, qui a de gros moyens, qui a fait rentrer beaucoup d'attaquants. Bien entendu, il a fallu par moment que notre gardien, comme à Metz, soit décisif. Mais voilà, ce sont les aléas d'un promu. Pour gagner des matchs, pour nous, il faut que les planètes soient alignées un petit peu. Et je suis fier de mon groupe parce que quand Saint-Étienne égalise, ça peut lâcher mentalement. Et là, on a montré qu'on a des grosses, grosses ressources, qu'on est très costaud dans les têtes. Et non seulement on a continué à contrôler Saint-Étienne, mais on a eu la capacité à aller chercher le second but. Nouveauté aussi ce soir, on marque sur coup de pied arrêté. Ça, c'est une palette importante aussi, supplémentaire dans notre jeu. Donc voilà, nous sommes très heureux ce soir et on va passer une bonne trêve internationale. On a 11 points aujourd'hui, on est quasiment dans les 10 premiers de la Ligue 1. Je crois qu'on peut parler d'une première partie de saison réussie. Mais je crois que ce soir, j'ai envoyé un signal au groupe quand même. J'ai fait des choix assez forts. J'ai confirmé Jimmy, j'ai fait rentrer Souk à la place d'Adama. Brian était titulaire. On est repassé en 4-2-3-1 avec Saïf Kawi. Donc Cordo a été intégré dans mon esprit logiquement. C'était peut-être pas logique pour tout le monde puisque Mathieu était absent. Ils ont tous prouvé qu'on a un vrai groupe et qu'on peut compter pour tout le monde. Et c'est un signal fort envoyé ce soir à l'ensemble du groupe. Nous, chez nous, la star, c'est l'équipe, c'est le groupe, c'est pas l'individu. Et que la concurrence, l'émulation, elle est valable pour tout le monde. Et ce soir, je suis très très heureux que les gens qui ont eu l'opportunité de se montrer ont répondu présent.